Allez, essayons de convertir les territoires. Histoire que tout ça soit bien gérable facilement. Et là, on a un territoire quand même avec 21 de contrôle, de... Pas de contrôle, de... 22 de développement. Ce qui va aider notre développement ici. Ce qui ne sera pas désagréable. Par contre, on est à plus 6, 6, 6, qui est vraiment mauvais, hein. Ok, parfait. Parce qu'on est juste à 13 et 13, c'est vraiment, vraiment mauvais, hein. Mon épouse a 48 ans, par contre. Est-ce qu'on l'assassinerait pas? Est-ce qu'on peut avoir un complot qui soit un peu... On n'a rien du tout, hein. Problème, c'est que sans enfant... Enfin, notre héritier, notre fille, qui l'éduque, cet enfant-là? Quelqu'un qui a 9? Ça me plaît beaucoup plus. Et du coup, au moins notre fille de façon correcte. À défaut d'avoir un petit gars qui puisse faire le travail. On va essayer d'augmenter notre or. Parce que 5,8, c'est pas fameux. Et on est en militaire, mais en militaire, on est juste à 12. On est vraiment, vraiment exécrable, hein. Et le fait qu'on soit au-dessus de nos gains. Diminue nos levées de 20%. Donc 20% de 2000, c'est 200 hommes. Ça, c'est 400 hommes. Hein, donc c'est beaucoup. Mais on va tenir le territoire quand on peut. Contrôle 100%, contrôle 100%, 86%. Ouais, c'est pas fameux du tout. Et on avait quoi comme autre gain en militaire? Casus Belli moins 50%. Les tactiques partent pour faire plus de dégâts. Les vitesses navales effet qu'ici des armes de siège. Ça, c'est pas mal. Il y a des points qui sont pas si désagréables que ça. Mais c'est pas vraiment ce qu'on veut, malheureusement. Donc il va falloir déjà stabiliser le pays. Mais si on peut gagner des points. Si on pouvait passer à plus 15 ici, plus 15 nous permettrait d'avoir plus 1 au niveau du domaine et de la propriété. Ce serait déjà royal, hein. Ça me plairait énormément. 460 d'argent. Ça me plaît pas. Hein. Prenons ça déjà. On va remplacer un petit peu. Là, on a quoi? On a ça, ça, ça. On va construire ça. Hein. On va partir sur de la cavalerie, beaucoup de cavalerie. Alors, c'est pas ce qu'il y a de mieux dans la jungle, mais ça nous permettra de tenir un peu le territoire avec quelques bonus en attaque ou autre. Bonsoir à toi, Gigigolo. Un petit plus 6 là qui est pas désagréable. Ouh, un peu d'argent en plus. Cavalerie légère, ça c'est l'escarmouche, c'est quoi ça?
Ça m'intéresse pas. Port sur la colline. Dégâts des piquiers, levé, contrôle, plus 1%. C'est pas la capitale, mais on n'est pas si loin que ça. Et c'est vrai qu'avoir des forts sur la capitale, ça serait peut-être pas si con que ça. Et l'aperçu ici, ça c'est l'infanterie lourde et des piquiers. Et ça. Cavalerie légère, escarmoucheur, etc. Ok. Déjà, stabilisons tout ça. Oui, deux comtés qui ont été pris, en effet. Le comté de Palaka et le comté de Tiruvannamalai, qu'on avait perdu précédemment, dans le précédent live, mais qu'on a récupéré là pour le coup. Donc il y a eu déjà deux prises de territoire. Palaka. Ma fille, ben, je n'ai pas choisi un tuteur. Bon, la personne qui sert tuteur ma fille est décédée, malheureusement. C'est la Reconquista indienne, c'est un peu ça, ouais. Par contre, l'Ambakana, il me fait un peu peur, donc il va falloir faire attention à ça. Regardez qui sont ses alliés, on voit que c'est un de ses vassaux, et le suivant est plus au nord, donc. Lui, il a 2900 troupes et lui, il a 2300. Donc à eux seuls, ils font 5000 troupes. Je suis juste en dessous. Bon, j'ai l'argent, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Le voisin à gauche va avoir un problème. Il y a des chances. Le voisin au nord, déjà, va avoir un problème. Les deux voisins au nord vont avoir des problèmes, ça c'est certain. Mais il va falloir qu'on s'installe bien correctement là au milieu. Alors, on est sur deux royaumes, hein. On est sur le royaume de Tamilakam et sur le royaume de Andhra. Il va falloir qu'on choisisse un royaume rapidement pour pouvoir se mettre bien et pour pouvoir progresser. Est-ce qu'on n'utiliserait pas un peu d'argent pour gagner, pour aller chasser? On va les chasser. On fera peut-être des banquets aussi. L'idée, c'est de gagner des points bonus qui sont liés à ces activités-là. Je dois avoir écumé les collines deux fois déjà et toujours aucun signe de ma proie. Tout le monde s'attend à ce que je revienne triomphant avec un trophée, mais tel que les choses se présentent, je ne reviendrai qu'avec la honte. Pour 25 pièces. Et on a eu le point. Heureusement, on n'est pas trop mal en intrigue. C'est pas excellent, mais c'est déjà pas mal. On va prendre les obligations en or déjà, ça me permettra de gagner un peu de pognon. 400 de prestige, ça c'est pas mal. Je vais faire un petit banquier pour gagner encore un peu. Si on peut faire assez de banquiers, on pourrait gagner. Ouais, le voisin au sud va être un problème, hein. On est d'accord. Donc on va essayer de gagner des points. Déjà, transformer les cultures, ça serait pas mal. Ok, il y a des gens qui couchent ensemble alors qu'ils devraient pas. Là, on devrait pas être pas, on devrait être pas mal là. Ok. Faudrait faire d'autres festins pour gagner. En fait. Faire des festins permet de gagner des points en diplomatie, ce qui est très utile pour garder les vassaux plus calmes. Donc, bien sûr, le faire, ce serait un plaisir.
Après, j'ai 2400 et lui, il a 2300. Ça peut être pas mal. C'est pas suffisant, mais ça peut être pas mal. Après, il me manque les 400 liés au fait que j'ai trop de propriétés pour l'instant. Après, si l'argent tient et autres, on pourrait être pas mal. Ok. Par contre, j'aimerais bien gagner suffisamment de points pour que mon intendance soit assez haute. Si mon intendance peut me permettre d'aller chercher Avare, par exemple, qui me donnerait plus de points d'intendance, ça serait parfait déjà. Mais bon, plus on aura d'argent, mieux ce sera. Toi, t'es allié à qui? T'es allié à lui et à l'autre. C'est qui lui? Ok. Et toi, t'es allié à qui? Tu es en guerre avec. On va peut-être aller chercher Benguipura. Pour l'instant, on risque d'avoir des rébellions de la part d'une faction qui est mécontente, des paysans qui tirent la gueule. Bonsoir à toi, Margot. Et oui, 45 minutes, ouais. Alors, par contre, ça serait bien qu'on prenne un peu de. Il arrive en quand, lui? Dans 7 mois, d'accord. Ouais, nous, on a une amitié avec notre fille. De toute façon, il va falloir lui trouver un mariage intéressant à cette fille. Mais c'est surtout qu'il va lui falloir lui trouver un mariage matrilinéaire. Et c'est surtout ça qui va être compliqué. Mais une fois qu'on aura un bon mari, ça pourrait être pas mal. Oui, il y a des guerres, elles font pas semblant, hein. Calme, c'est pas mal. J'aime beaucoup le très calme. Là ça avance, là ça avance, là ça avance pas beaucoup, mais on travaille dessus. Ok. Et toi, tu as ta guerre. Qui est ton allié? Ok. Donc ça pourrait se manger en fait, hein. Le problème, c'est qu'on est en train de faire de la conversion et que la conversion est à moitié, donc on peut pas. Non, c'est pas une civilisation de harem en Inde. Enfin, ça dépend de la religion. Si tu es. Je sais que certains ont des conjoints secondaires, tu vois. C'est le cas ici de ceux qui sont bouddhistes. Mais les hindous n'ont pas. On obtient mouchoir pendant 10 ans. Puissance de complot personnel plus 5%. C'est sympa ça. La Rani qui me donne son mouchoir. Mais nous, on n'a pas d'épouse secondaire. On peut voir que lui peut en avoir, par exemple. Lui ne peut pas en avoir en tant que Jaïn. Mais les bouddhistes peuvent. A noter que Abari. Abari est musulman, hein. On a des musulmans sur le territoire, on a des Akharites, donc il faudra les repousser bien sûr, comme il se doit. Par contre, monsieur, par la ci présente, je vous annonce que votre rébellion est nulle et non avenue.
Donc veuillez bien gentiment déguerpir et aller mourir ailleurs que sur mes forts. Merci. Ok, nos 2400 troupes ont fait le travail. Est-ce qu'il est bon cet homme-là? Allons-y là-dessus, hein. Voilà. Déjà, ça fait un général de plus. Alors, il m'aime pas, mais bon, hein. Quelque part, on va déjà gérer ça. Les autres problèmes viendront ensuite. Votre femme, belle-sœur et amie. Ma femme est entrée dans ma vie par des mots doux et des gestes attentionnés. Tard dans la nuit, j'ai du mal à la chasser de ma tête. Les sentiments qui couvent entre nous ne tardons pas à s'enflammer. Ouais. Lorsque je tourne dans les appartements que je partage avec la Rani Akal, je suis agréablement surpris par ce que je vois. Notre lit a été orné de roses et Akal est allongé dessus, souriant, nonchalamment. À travers nos ébats, nous réaffirmons le dévouement l'un envers l'autre que nous avons juré devant Shiva, peut-être d'une manière plus charnelle que prévu. Oui, le problème c'est qu'elle a 48 ans, donc elle ne devrait pas avoir d'enfant. C'est un peu dommage, mais... Enfin, c'est même 52 ans pour le coup. C'est un peu compliqué, mais bon. On peut accepter ce fait-là. Oui, elle était mariée à notre frère avant. Hein. Elle a eu un premier mari, je crois. Donc il y a une petite histoire comme ça. Trois fois rien, quoi. Non, je peux pas prendre de concubine, non. Par contre, il faudra qu'on fasse une guerre à un moment. Après, notre fille a 13 ans, elle a un bon niveau, ah, en érudition. En érudition, ça me fait chier, c'est pas vraiment ce que je veux, mais... On pourrait voir ce qu'on peut obtenir avec ça. Je suis malade, complètement malade. On est passé à cette pièce, ce qui est pas si mal que ça. Et toi, tu es en guerre. On va essayer de profiter de notre fille, Cupide. Est-ce que Cupide est intéressant? Revenu mensuel, c'est plus d'argent, mais c'est mal vu par les Shivaïtes, tant pis, hein. À un moment. Par contre, si nos voisins commencent à prendre des territoires, on va pas se sentir si bien que ça à force, hein. Terrain de chasse, cavalerie légère, et on a quoi là? Bon, lui nous attaque. Eh ben, on va défendre.
Ah, il a pas la cam, il a droit à pas la cam, d'accord. Est-ce qu'on peut aller prendre le territoire ici, l'air de rien? Plus d'impôts. Attends, vous allez me dire que je vais avoir la victoire ici? Ah oui, d'accord. Ah bah si on lui botte le cul, moi je prends, hein. On est à 20%. On va rester sur le territoire le temps que nos armées se refassent. Attendez, il y a qui en face? Il n'y a que lui! Oh, mais s'il n'y a que lui, on peut complètement le défoncer en fait. Allez, on va prendre vite fait le territoire ici. Histoire de gagner du score de guerre rapidement. Comment ça, 12 armées arrivent à prendre ce siège ici? Qu'est-ce que c'est que cette hérésie? Ouh, plus 60 pièces. Vu que c'est ça, on va lever des mercenaires. Qu'est-ce qu'ils ont comme armée ici? Ça. Ils ont un peu de cavalerie. Et ça. Ça, c'est bon contre quoi? Cavalerie légère et cavalerie lourde. Et ça, contre les archers. Est-ce qu'ils ont beaucoup d'archers? 400 archers. Prendre la cavalerie, hein. On va reculer. On va accepter. On a perdu le maître espion. Après, s'il faut obtenir qu'une paix blanche, on n'obtiendra qu'une paix blanche, hein. C'est pas un problème. Mais on fera ce qu'il faut. Pour l'instant, on n'est qu'à égalité. Ok, paix blanche, juste à temps. Moi, ça me va. Et on va pouvoir rançonner des gens en plus.
Donc c'est parfait. Bonsoir à toi, Alan. Oui, il n'y a que trois soldats en garnison, je ne sais pas pourquoi. Quand on regarde ici, il n'y a que trois soldats en garnison. Enfin, c'est exécrable. Voilà, 29 soldats en garnison, c'est vraiment, vraiment trop petit par rapport à ce qu'il devrait y avoir, on est bien d'accord. Mais on a eu la paix blanche, donc moi je prends, hein, clairement. Le territoire est mal défendu, on est d'accord. Mais le fait qu'on ait des propriétés qui soient pas en bon nombre pour l'instant, ça aide pas non plus. Mais bon, on s'en sortira, je pense. Pourquoi lever mes armées? Quel est l'intérêt? Parce que là, pour l'instant, c'est vrai qu'on a un faible contrôle comptable aussi, ça aide pas des masses, mais non, pour l'instant ça va. On a 3300 troupes, on a quelques mercenaires, mais dans l'ensemble ça va. Faudrait qu'on passe à 6 sur 6, ça serait parfait. On gagnerait 400 troupes quasiment. Ce qu'on avait vu la dernière fois. Non, non. Pour l'instant, tu vois, elle est en train de se refaire. Tout à l'heure, elle est à 3. Là, elle est passée à 145. Ce qui est pas mal. C'est en train de se remettre à niveau. Il n'y a pas de souci. On va marier en matrilinéaire notre fille avec quelqu'un qui est bon de ce côté-ci. Lui est meilleur. Et bien meilleur sur bien des points. On va essayer d'améliorer cet homme-là pour éviter qu'il nous pose des problèmes. Ça serait sympa. Mais c'est bon, la garnison est en train de remonter petit à petit. Ça devrait le faire. La conversion du comté aussi devrait se terminer. Et là, on va finir la culture. 12, 12, 16, 16. Ok, très bien. On va pouvoir partir sur l'amélioration des 11 ici. Il va falloir qu'on améliore un petit peu les cultures. Alors. Palaka, je pense que je vais le donner à Vassal. Par contre, on va essayer de récupérer le duché de Chola pour nous. Comme ça nous fera 7 territoires à récupérer et à tenir. Mais Palaka, je pense qu'on va le donner à Vassal. On va peut-être créer notre premier Vassal. Améliorer la culture. Ici, ce serait bien. Et on va donner Palaka. Parce que pour l'instant, ça nous réduit un petit peu. Ça nous sert pas tant que ça. Et ah, voilà, le territoire va être converti, donc c'est parfait. Et je compte pas partir en guerre tout de suite. Pourquoi ne pas le donner à ma fille? Parce qu'après, je pourrais pas gérer ma fille comme je veux. Depuis quand les garnisons sont prises par les levées de troupes? Non, Alan, en fait, on a eu une guerre de paysans juste avant. Donc ça a posé quelques problèmes. Et on avait aussi un contrôle qui était très très bas. Ce qui a pas aidé.
Putain, je sais personne. Pour donner ce territoire. C'est un peu catastrophique ça. Bon, j'espère qu'on va pouvoir gagner un peu de thunes. Nelor, pourquoi je viens de perdre ça? Non mais sérieusement? Un bon territoire là et tu me le fous en l'air? Bon, on va avoir la construction des routes, donc ça devrait nous faire gagner un point en intendance. Tant pis, on perd un peu des points, mais...